Bonjour. Nous avons vu dans le cours précédent la réaction chimique, l'avancement de réaction, l'avancement maximal si la réaction est totale, le réactif limitant et le réactif en excès. Dans ce cours, nous allons aborder la notion de chaleur de réaction. Considérons la réaction suivante. À l'instant initial, on a des quantités de matière de chacun des constituants. Le mélange initial peut contenir les produits de réaction aussi. À l'instant T final, pour les réactifs, on écrit le nombre de moles initial moins le coefficient stoichiométrique multiplié par l'avancement. Et pour les produits, c'est le nombre de moles initial plus le coefficient stoichiométrique multiplié par l'avancement. On pourra noter l'enthalpie de ce système à un instant donné comme étant la somme des Ni Hi, c'est-à-dire le nombre de moles de chacun des constituants multiplié par son enthalpie molaire. Et la variation d'enthalpie entre l'état initial et l'état final, c'est H final moins H initial. H initial, on va le prendre qui va correspondre à Ti égale à 0. Et on a les quantités de matière multipliées par les HI de chacun des constituants. De même, pour H final, les quantités de matière multipliées par les HI de chacun des constituants et on fait la somme. Delta H de réaction, c'est la différence entre ces deux expressions. Nous remarquons que N01H1 va se simplifier avec moins N01H1. De même pour N02H2, N03H3 et N04H4. Et on obtient finalement un delta H qui est égal à moins nu 1 xi H1 moins nu 2 xi H2 plus nu 3 xi H3 et plus nu 4 xi H4. Que l'on peut écrire de cette façon en mettant xi en facteur et en notant cette expression qui est la somme des nu HI des produits moins nu i hi des réactifs, cette expression sera notée delta HR, delta H de réaction, où on écrit un petit r en indice entre delta et H. On pourra remarquer que delta H de réaction représente l'enthalpie, la variation d'enthalpie du système si l'avancement est égal à 1. Donc l'expression de delta H de réaction, c'est la somme du nu i hi des produits moins nu i hi des réactifs à une température donnée et à une pression donnée. Alors, chaleur de réaction ou bien enthalpie de réaction à la température T est notée delta RHT. On met en indice la température. C'est la variation d'enthalpie correspondant à un avancement xi est égal à 1. Sa valeur dépend de la manière d'écrire la réaction. Son unité, c'est le kilojoule par mol. Considérons maintenant une réaction qui se déroule à pression constante. Le delta H du système réactionnel, la variation de l'enthalpie du système réactionnel à une température T, c'est la quantité de chaleur échangée à pression constante. C'est ce qu'on avait démontré dans les cours précédents. QP et qui peut être exprimé en fonction de delta H de réaction comme étant xi fois delta H de réaction. Donc la quantité de chaleur échangée à pression constante par un système réactionnel, c'est égal au delta H de réaction qui est donné pour une réaction donnée, multiplié par le coefficient, par l'avancement de la réaction. Et lorsqu'on travaille à volume constant, c'est-à-dire de façon isochore, la réaction se déroule à V constant et donc la variation de l'énergie interne à la température T, CQV, ce qu'on avait montré dans les cours précédents, et c'est égal à xi fois delta U de réaction. Lorsque la réaction dégage de la chaleur, c'est-à-dire si la quantité de chaleur est négative, QP ou bien QV, on dit que la réaction est exothermique. Si au contraire Q est positif, on dit que la réaction est endothermique.
Examinons un exemple où l'on a la réaction de formation de l'eau liquide à partir de H2 et O2. Le mélange initial contient 4 mol de H2 et 2 mol de O2. En supposant la réaction totale, on voudrait calculer la chaleur échangée à pression constante. La réaction peut s'écrire de deux façons différentes. La première, ou bien la deuxième, où on a un demi-entier, c'est-à-dire c'est la même réaction, seulement qu'on a divisé les coefficients stoichiométriques par un demi. Le delta H de réaction, on a dit qu'il dépend de la façon d'écrire la réaction. Donc pour la première réaction, le delta H c'est de moins 570,4 kJ par mol, alors que pour la deuxième réaction, le delta H c'est moins 285,2, c'est-à-dire exactement la moitié de cette valeur. Donc si on divise la réaction par un coefficient, on divise son enthalpie de réaction par le même coefficient. Utilisons la première réaction pour faire le calcul de la chaleur échangée par ce système. On dresse le tableau d'avancement. À t égale à 0, on est parti de 4 mol et 2 mol. On pourra déjà remarquer que 4 sur 2, c'est égal à 2 sur 1. Ou bien 1 sur 2, c'est égal à 2 sur 4. C'est-à-dire le rapport des nombres de mol initial, des nombres de mol à t initial, que l'on compare avec le rapport des coefficients stoichiométriques. Donc ici, on pourra remarquer que le mélange est stoichiométrique. À T final, un instant quelconque, on a 4 moins 2 xi, 2 moins xi pour O2 et 2 xi de H2O qui seront formés. Donc, l'avancement maximal, c'est la réaction totale, on mettra 4 moins 2 xi égale à 0 ou bien 2 moins xi égal à 0 puisque le mélange est stoichiométrique, donc on pourra calculer l'avancement à partir de O2 ou bien à partir de H2. Dans les deux cas, on obtient 2 mol pour xi max. Pour avoir la quantité de chaleur dégagée ou bien échangée par le système réactionnel, c'est QP, puisqu'on travaille à P constante. Donc c'est QP, c'est l'avancement multiplié par le delta H. L'avancement c'est égal à 2 mol. Le delta H c'est moins 570,4. Et on obtient moins 1140,8 kJ. Si, par contre, on utilise la deuxième réaction, avec bien sûr l'enthalpie correspondante, on dresse le tableau d'avancement et on calcule xi max. Xi max, c'est égal à 4 mol, à partir de H2 ou bien à partir de O2, puisque le mélange est stoichiométrique. Donc, dans les deux cas, on obtient le même avancement maximal, qui est égal à 4 mol. Alors, la quantité de chaleur dégagée par le système réactionnel, QP, sera égale à xi de max fois delta H de réaction 2. Et donc, si on fait le calcul, on trouve la même valeur de QP. Donc, on peut conclure que, puisque l'avancement dépend de la façon d'écrire la réaction, et l'enthalpie de réaction dépend de la façon d'écrire la réaction, en fin de compte, la quantité de chaleur dégagée par le système réactionnel aura la même valeur. Donc, on peut choisir d'écrire la réaction de la façon 1 ou bien de la façon 2. On obtiendra toujours la même quantité de chaleur pour le système réactionnel.